Alors, l'adolescence marque le passage de la vie d'enfant à celle d'adulte. L'ado se cherche et essaye de trouver sa place au sein de la famille, de la société. Et cette quête passe souvent par des conflits. Difficile alors pour les parents de rester calmes face à ce jeune qui n'écoute jamais, qui n'en fait qu'à sa tête. Comment gérer cette fameuse crise d'adolescence? On en parle aujourd'hui avec vous, mesdames. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, docteur Samia Lamara, vous êtes psychologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, notre collègue Mariam Moussaïd. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Mounia, merci de m'inviter. Donc, je vais finir par faire partie de l'équipe, je crois. Oui. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler, bien sûr, de Inès. Voilà, oui. De Inès, la plus âgée. Donc, tu as deux filles. On rappelle, donc Mariam Moussaïd a deux petites jeunes filles, oui. 11 ans et 13 ans. Et Inès est en crise d'adolescence, on peut dire ça, crise à 13 ans, est-ce que c'est la crise ou oui, pas encore? Ça pourrait commencer. Mais avant de parler de crise d'adolescence, il est impératif, Mounia, si vous me permettez, oui, de faire un petit historique. Il est nécessaire de parler du développement de l'enfant. Oui. Parce qu'en fait, l'enfant passe par plusieurs étapes du développement durant cette période de l'enfance et qui est marquée par des règles, des interdictions de la part des parents. Mmh. Et ces règles et ces interdictions vont faire que l'enfant va un petit peu refouler, inhiber cette contrainte, ces frustrations et qui vont réapparaître au moment de l'adolescence. Et donc, en fait, l'étape de l'adolescence qu'on appelle crise n'est en fait qu'une sorte de revanche sur les parents et sur le temps. Alors, est-ce qu'on peut dire que si les parents sont vraiment stricts pendant la petite enfance, la crise sera beaucoup plus sévère, on va dire? Oui, ça va accentuer un petit peu ce processus. Et, parce que l'enfant n'aura pas de moyens pour faire face à cet adulte, qui est le parent, que ce soit la maman ou le papa, ou les deux. Ils vont se rallier pour faire face à ce petit être qui n'a pas de moyens pour y faire face. Et du coup, forcément, ça va créer plus de conflits une fois que ce petit être va grandir, va aller vers l'adolescence. Et au moment de l'adolescence qui coïncide avec la puberté, et donc les changements morphologiques et physiologiques qui font que cet enfant se voit désormais comme un adulte, or que c'est pas tout à fait un adulte, puisqu'il est la phase de l'adolescence est une phase de transition de l'enfance vers l'adulte. Donc il a peut-être l'aspect physique d'un adulte pour la plupart du temps, parce qu'il y a des adolescents qui vont vite en besogne, on va dire. Oui. Mais ils n'ont pas la maturation cérébrale et la maturité de l'adulte. Mais qui sont aussi considérés comme des enfants, donc ça coince un peu, ça va les gêner. Ils n'aiment pas ce terme-là. Oui. Ils n'aiment pas être considérés comme des enfants, justement. On doit les considérer comme, j'irai pas jusqu'à dire comme des adultes à part entière, mais faisons de sorte de les accompagner. Moi, je dis toujours que le fait d'avoir un enfant est comme un investissement, c'est comme un projet. Ouais. On n'attend pas les fruits ou les bénéfices d'un projet dans l'immédiat. C'est dans le temps. Il faut avoir la patience et l'indulgence d'attendre que ça donne ses fruits. Et donc, si on veut éviter la crise de l'adolescence, il faut bien faire son travail durant la partie petite enfance. Exactement. Très bien. Très bien. On va suivre un reportage de notre journaliste Farida Ben Muslim et on revient pour le débat. D'accord. L'adolescence est considérée comme une phase de transition qui s'étend de la puberté jusqu'à l'âge adulte, une période durant laquelle l'adolescent change, se transforme. Certains passent à travers cette période sans trop de dommages, alors que pour d'autres, c'est la crise. Le terme de crise d'adolescent désigne un ensemble de symptômes ou de comportements qui sont marqués par des attitudes d'opposition ou de défi par rapport aux parents, des comportements excessifs et des sauts d'humeur. Ces comportements sont souvent, ils accompagnent le passage et la transition entre
l'enfance et l'âge adulte entre 13 et 18 ans. Et en général, d'ailleurs, beaucoup de parents appréhendent le passage, cette période entre 13 et 18 ans. Et cette période, donc, ils sont déjà dans une appréhension et dans une anticipation. Et ces manifestations sont expliquées par la métamorphose psychologique et corporelle, c'est-à-dire la transformation physique et psychique que connaît l'adolescent, c'est-à-dire toutes les transformations physiques, c'est-à-dire les caractères sexuels secondaires, la voix, la poitrine, des choses comme ça, qui vont bouleverser. L'adolescent ne va plus reconnaître son corps et ça va bouleverser la vie de cet adolescent. Mais c'est moi chez les parents, mère de chaleur avec les parents, après, les parents, ils vont bouger. Certains signes évoqueraient cette période de transition, car le comportement de l'enfant devenu adolescent va changer. Il prendra des décisions impulsives, il développera un attrait pour la prise de risque et perdra de son estime de soi. Il est fragile, il faut donc l'accompagner. Les parents doivent adapter quelques attitudes pour bien gérer cette crise d'adolescence pour qu'elle passe sans conséquence. Il faut que les parents fassent preuve de patience et de cohérence. Donc, c'est-à-dire, il faut que les parents ne soient pas laxistes aujourd'hui et très fermes, très stricts demain. Donc, il faut s'armer, on a dit, de patience. Il faut fixer des limites et bien définir des limites et des règles. Il faut écouter ces adolescents et encourager le dialogue et la communication intrafamiliale qui reste primordiale. Il faut respecter leur intimité et leur espace personnel, leur montrer qu'on les aime et qu'on les aimera toujours. Et bien sûr, se rappeler toujours que c'est juste une passade et que ça va finir par se terminer. La plupart de nos adolescents ont des sentiments mitigés. Et les parents n'admettent pas que parfois une prise en charge psychologique leur est nécessaire pour les aider et mieux les encadrer. L'adolescence est une période très difficile dans la vie des individus qui ont des besoins et des visions différentes. S'ils sont incompris par leur entourage, ils deviendront fragiles et risquent de dévier s'ils sont mal encadrés. Il faut savoir que chez l'adolescent, ce changement peut provoquer une hypersensibilité, un manque de confiance. Et pour y remédier, le jeune va tenter de se définir en tant qu'individu, au sein de la famille d'abord et de la société ensuite. Et c'est durant cette quête de soi que certains, et sans l'encadrement correct de leur famille, vont dévier. Les fréquentations. Ah oui. Malheureusement, dans une proportion de cas minoritaires, c'est-à-dire 10 à 15%, ça peut dégénérer et ça peut nécessiter une prise en charge psychologique adaptée. Par exemple, des troubles de conduite, il y a des prises de toxiques, par exemple, parmi les symptômes qui doivent éveiller notre attention, c'est des symptômes dépressifs, par exemple, une tristesse, des pleurs, une irritabilité, il devient irritable, la fleur de peau aussi. Donc les systèmes d'ordre, les symptômes d'ordre dépressif, ils doivent éveiller notre attention. Il y a aussi, comme vous dites, la violence, l'agressivité. Donc cette agressivité, elle peut être auto-agressive ou hétéro-agressive. Il faut pas négliger, tandis que les problèmes scolaires, c'est-à-dire la baisse du rendement scolaire, l'absentéisme, l'indiscipline et les conduites délictueuses. Donc tout ça, il doit éveiller notre attention. En attendant le passage de cette période difficile, il est important d'encourager le dialogue avec les adolescents afin de détendre l'atmosphère et de leur montrer qu'ils sont importants dans leur famille. Alors, comme on vient de le voir, quand même, c'est compliqué cette crise d'adolescence. Alors, comment que ça se passe avec toi, avec Inès, à la maison ? Le premier changement, c'est la difficulté à déjà se lever le matin.
Alors oui. Déjà, très souvent, ils ont du mal à se réveiller. Elle est très grognon, elle sort de son sommeil, pas au bout de 5-10 minutes, mais plus longtemps. Le changement aussi d'attitude, donc elle préfère encore rester un peu très souvent seule. Elle préfère, pourtant elle a une petite sœur avec qui elle peut jouer, mais bon, déjà le jeu ne l'intéresse plus. Elle préfère jouer à d'autres jeux de son âge à elle et ne pas partager avec sa sœur qui est plus jeune. Aussi, le changement d'humeur aussi. Alors, de temps en temps, elle est très gaie, très joviale. 5 minutes après, elle est là dans son petit coin. Qu'est-ce que t'as ? Je ne sais pas ce que j'ai. Et de temps en temps, ce qui est bien, c'est qu'elle vient parler. Elle me dit, je ne suis pas bien, mais je ne sais pas ce que j'ai. Donc voilà, c'est ça. Des fois, je suis un peu désarmée quand elle me dit, je ne sais pas ce que j'ai. J'ai du mal un peu à trouver les mots. Et là, c'est le fait qu'elle le dise, déjà, là, c'est une très bonne chose puisqu'elle arrive à s'exprimer. Oui. On prend d'autres adolescents qui n'arriveront même pas à dire et comprendre ce qui leur arrive et pouvoir mettre des mots sur ce mal-être. Et donc, c'est ça la complexité de la chose, c'est que les parents sont face à un adolescent qui, 2 minutes plus tôt, était gay, dans la bonne humeur. Et tout de suite après, il se renferme, il va dans sa chambre, il n'a envie de parler avec personne, il n'a même pas envie de dîner, de déjeuner avec la famille ou d'avoir quelconque relation ou interaction avec sa fratrie ou quiconque de sa famille. C'est là la difficulté des parents face à cette attitude. Comment on doit réagir justement face à ça ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Eh bien justement, il faut être très indulgent. Oui. Ne pas oublier que nous-mêmes, nous étions adolescents un jour, qu'il y a des changements morphologiques qui font que l'enfant, il y a un bouleversement à l'intérieur qui se fait. Effectivement, il y a une recherche de soi, son corps est en train de changer, l'image que lui renvoie sa propre personne, le regard des autres. On voit des adolescents qui sont toujours dans cette attitude de vouloir plaire à tout le monde, de mettre l'accent sur les habits, sur leur façon de se maquiller pour les filles, de se coiffer, de se mettre en valeur, effectivement. Mmh. Et donc, ça fait que cet adolescent est toujours, néanmoins, durant cette période, à la recherche de son moi et à la recherche d'un équilibre, à la recherche d'une façon de dire j'existe et écoutez-moi. Et moi, je suggère souvent ou toujours aux parents de ne pas avoir peur d'aller consulter, de se faire aider par un spécialiste, par un psychologue, pour essayer d'établir, parce que parfois la communication elle est totalement rompue. Oui. Ou de rétablir la communication et le dialogue entre les parents et cet adolescent. D'accord. Voilà. Mmh. Très bien. Alors, on a vu dans le reportage, ça commence vers l'âge de 13 ans et ça dure combien de temps ? Alors, parfois c'est beaucoup plus tôt. Hein. Parfois ça commence à l'âge de 11 ans. Il y a une adolescence précoce, il y a des adolescents qui sont précoces et ça peut commencer à 11 ans. On a entendu beaucoup de témoignages de parents qui disent ça a commencé, mais mon Dieu, ça commence à 11 ans. Ça commence, mais c'est terrible. Qu'est-ce qui m'attend ? Et c'est vrai qu'on a tendance à identifier cette partie de la vie de cette personne à une tempête où c'est pire qu'une crise, c'est carrément une tempête. Oui. Et donc, ça prend le temps que cet adolescent puisse se rééquilibrer sur le plan morphologique, sur le plan physiologique et sur le plan psychique. Donc ça va prendre beaucoup de temps. Vous allez me dire comment ? Vous allez me dire comment ? Eh bien, les parents doivent être, comme je le disais, et j'insiste là-dessus, très indulgents avec les enfants. Il faut aller dans la communication, lui laisser l'espace nécessaire dont il a besoin. Essayez de les responsabiliser aussi du mieux que vous pouvez. Impliquez-les dans vos projets, parce qu'on a tendance à se dire il ne peut pas comprendre, ils sont trop jeunes, ils peuvent pas prendre de grandes décisions, alors qu'ils sont parfaitement capables, non pas de prendre des décisions peut-être, mais au moins de participer à des projets ou à des discussions familiales et donner leur avis, qu'ils sachent qu'on les écoute. C'est très important qu'ils sachent qu'on les écoute et non pas
les dénigrer ou s'acharner sur eux, parce qu'après, les deux vont se heurter. J'entends par là les parents et les adolescents vont se heurter et le conflit ne fera que s'aggraver et prendre beaucoup d'ampleur, ce qui va nous pénaliser. Donc on peut dire que ça dépend aussi du comportement des parents. La durée de la crise dépend aussi du comportement des parents. C'est surtout... le comportement des parents. D'accord. Donc finalement, on a une lourde responsabilité. Ce qu'il faut aussi ne pas perdre de vue, c'est qu'il y a des moments où nous, on perd patience un petit peu. Il y a des moments où on a des journées chargées, c'est clair et tout. Il y a des moments où on est fatigué de cette situation. On n'a plus la patience C'est ça. Il y a des moments où on perd patience. Oui, il ne faut pas se mentir. Hein, on a l'impression. C'est pas tous les jours beau, c'est pas tous les jours gai. C'est clair. Je ne dis pas que le fait d'être indulgent, de comprendre, ça va passer comme une lettre à la poste. C'est sûr que non. Mais après, on a tendance, nous, parents, de croire que. En faisant instaurer certaines règles et en faisant face à cet adolescent, on va être des parents parfaits, instaurer des règles et je serai tranquille par la suite. Non, en fait, c'est un leurre, c'est pas du tout ça. D'accord. Donc il faut justement essayer d'être plus copain, mais en étant assez ferme. C'est difficile d'équilibrer entre les deux, un peu de souplesse, mais étant ferme dans le sens où on doit instaurer certaines règles et faire comprendre à cet enfant, à cet adolescent, que je suis le parent, c'est moi qui décide. D'accord. Mais on peut négocier. Il y a toujours une négociation, il y a toujours des compromis à faire. Ça ne fait pas de nous de mauvais parents, ça ne diminue en rien nos valeurs en tant que parents par rapport à nos enfants. Au contraire, ça va leur donner plus confiance et ça va les amener à plus dialoguer avec nous. Voilà. Et est-ce que tous les enfants passent par cette crise ? Plus ou moins, oui. Je ne peux avoir de la chance. Je ne vous rassure pas. Non, du tout. Oui, du tout. Oui, mais bon. Mais est-ce que les degrés, est-ce que chez certains, c'est plus prononcé que d'autres ? Je vous ai dit, plus la phase de développement de l'enfant est saine, je dirais, plus la partie adolescence sera. C'est relatif, en fait. D'accord. Plus ça va passer de façon plus sereine. Plus paisible. Bien sûr qu'il peut y avoir des petits nuages, des petites pluies, des petits vents, des petits conflits, mais après, prenez-le de manière à vous dire que c'est juste une façon de s'exprimer, c'est juste une façon de vouloir s'imposer, parce qu'il voudra s'imposer certainement, du fait qu'il se sent adulte, et c'est normal. Il a sa propre personnalité, vous ne pouvez pas dupliquer la vôtre sur la sienne, c'est pas possible. C'est une personne à part entière qui a des principes à part entière, il a sa propre analyse. Et donc, il faut respecter ça. Et est-ce que c'est vrai que, on dit, hein, c'est une rumeur, je voudrais bien la confirmer, est-ce que c'est vrai que les enfants qui sont, on va dire, plus turbulents pendant la petite enfance seront plus calmes pendant l'adolescence, et inversement ? C'est ceux qui ont été difficiles pendant la petite enfance avec la crise des terrible tout. C'est vrai qu'on a tendance à dire que ça s'agisse avec le temps. Oui. Mais après... Il faut toujours, en tant que spécialiste, il faut toujours voir le développement de l'enfant, l'environnement dont il a vécu, ce que lui a offert cet environnement et ce que lui a refusé cet environnement. Parce que quand il y a des frustrations, forcément, par la suite, ça va générer des comportements au moment de l'adolescence. Et donc, forcément, ce n'est pas une règle générale. Ça concerne plus les filles ou les garçons, finalement ? C'est les deux. Hein. C'est les D'accord. deux. Il n'y a pas de... Personne n'y échappe. Personne n'y échappe. c'est à des degrés plutôt différents. Mais après, en tout cas, à mon sens, les deux sont concernés par la crise d'adolescence. Durant la période du développement de l'enfant, il y a des choses qui n'ont pas été, des phases qui n'ont pas été traversées avec succès, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, c'est un passage obligatoire, d'accord, mais pourquoi ? Pourquoi ils font cette crise d'adolescence ? Bon, on a compris les changements hormonaux, les changements physiques et tout ça.
Ben, c'est le fait de vouloir s'imposer, le fait de vouloir se faire valoir, le fait de vouloir dire « je suis là ». Écoute-moi, ça c'est très important qu'on puisse, parce que parfois on n'écoute pas nos enfants, on n'écoute pas nos adolescents, on décide à leur place, on fait les choses à leur place, on sème en eux cette incertitude du fait que si on ne leur fait pas confiance, eh bien forcément, un peu plus tard, ils seront pas totalement en harmonie avec, avec leur personne, avec leur être. Et de ce fait, on rentre dans le conflit et on rentre dans le tiraillement des deux côtés. Moi, j'ai une question à vous poser. Oui, dites-moi. Est-ce que leur faire des compliments, beaucoup de compliments, est-ce que ça les aide ? Leur dire tu es belle, tu es belle, tu es beau. Faire trop de compliments, bon, pas trop, ne va pas arranger les choses. Non, bien mais sûr. Oui, mais oui, oui, bien c'est sûr, encore nécessaire. Il faut les valoriser. Il faut les valoriser. Il faut qu'ils comprennent qu'on leur fait confiance et qu'on les aime inconditionnellement. Et que tout ce qu'ils peuvent accomplir est bien sûr valorisé aux yeux des parents. Est pris en considération. C'est très important. D'accord. Parce que n'oublions pas que durant cette phase, il y a la phase de l'acquisition, de l'apprentissage. Donc s'ils font un beau dessin aujourd'hui, dans quelques années, il sera certainement meilleur. S'ils ont des capacités à faire des choses manuelles, si ce n'est pas vraiment au top, tant pis. On ne va pas en faire de grands peintres, ni de c'est-à-dire qu'ils peuvent l'être, bien sûr, mais on ne peut pas leur imposer ni leur demander plus qu'ils ne peuvent nous donner. Voilà. Il y a un autre côté aussi, je ne sais pas si c'est le cas avec les filles, enfin avec surtout Inès, mais en général, à l'âge de l'adolescence, on refuse les démonstrations d'amour de la part des parents. Oui. Genre, ne me fais pas de câlin devant les camarades, devant mes amis, ne me dis pas ce genre de choses. Parce qu'il y a toujours le regard de l'autre. Il y a le regard de l'autre à cet âge-là. Ils sont moqueurs aussi un petit peu entre Ils sont très méchants, les enfants et les ados, les uns envers les autres. Mais à cet âge-là, on n'a pas envie de montrer. Pour eux, c'est une faiblesse, en fait. D'accord. Pour eux, c'est une faiblesse. Le fait de montrer que je me fais câliner par les parents, ça veut dire que je suis dans la cistana, ça veut dire que je suis dépendant. Or qu'à cet âge-là, ils ont besoin de s'affirmer, de dire que je suis adulte, que je prends mes décisions tout seul. Et on a entendu plein d'adolescents qui disent « j'ai voyagé tout », même si ce n'est pas vrai. Oui. Ils se racontent plein d'histoires. Et donc, c'est une façon de s'affirmer. Ce n'est pas méchant. Laissez-les faire. D'accord, S'ils demandent de ne pas leur faire de câlins devant leurs copains, ne le faites pas. Oui. Faites-le à la maison. À la maison. Il faut le faire à la maison. C'est vrai que ça m'a froissé les premiers temps, mais après, j'ai fini par le faire. Je me dis, bon, allez, c'est pas grave. J'en ris maintenant. Je la laisse et j'en ris, effectivement. N'ayez pas peur de les enrober d'amour. N'ayez pas peur de ça. Plus vous leur donnez de l'amour, plus en retour, il y aura cet équilibre de personnalité et ça leur facilitera l'épanouissement total. Très bien. Voilà. Donc là, je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu sur les réseaux sociaux. Donc j'ai posé la question sur les réseaux sociaux et j'ai eu des témoignages. J'ai eu un témoignage que j'ai choisi aujourd'hui de vous lire. Donc c'est une Céline qui nous raconte un peu son histoire avec son enfant. Donc voilà. Bonjour, je suis une maman de 3 enfants. Ma fille aînée a 15 ans, traverse une crise d'adolescence vraiment sévère. Il faut savoir que la petite était excellente élève, toujours parmi les premiers de sa classe. Cette année, elle n'est pas du tout concentrée sur ses études en sachant qu'elle passe son brevet cette année. Ses notes, une vraie catastrophe. Très dépendante de son smartphone, récemment je lui ai confisqué. À ce moment-là, elle s'est enfuie de la maison. Son père, les voisins et moi-même l'avons cherchée pendant 3 heures pour finalement la retrouver. Elle ne voulait plus rentrer à la maison. Elle fait tout pour nous rendre la vie terrible. Elle nous contredit tout le temps, fait exactement l'inverse de ce qu'on lui demande.
Récemment, elle a fait une annonce sur le groupe Facebook de son école, une annonce très gênante. À l'issue de cette histoire, elle a commencé à avoir beaucoup de problèmes avec ses camarades de classe. Je ne sais plus quoi faire avec elle. Je me suis tournée vers une spécialiste, mais j'ai vraiment peur pour ses études. Alors c'est quand même assez fort comme crise. Je pense que là, le degré est quand même assez fort. Oui, c'est assez fort, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que l'adolescence n'est que la partie visible de l'iceberg. Bon, je ne connais pas l'histoire de cette dame ni de cette jeune fille. Mais après, si on creuse un peu, peut-être, je dis bien peut-être, je ne peux pas faire de faux fondements, mais je pense qu'il y a eu certainement des choses qui se sont produites auparavant qui ont fait que cette jeune fille puisse être au jour d'aujourd'hui dans le heurte avec ses parents. Le fait qu'elle fasse une annonce un peu gênante, donc nous n'avons pas plus de délai, vraiment une annonce vraiment gênante au point d'avoir des problèmes avec ses camarades de classe, c'est normal aussi de faire ce genre de choses. Oui, parce qu'elle ne mesure pas le danger ni la gravité de son comportement ni de ses actes. Moi, c'est pas que ça ne m'effraie pas, mais je comprends parfaitement son comportement. Il est possible que c'était juste une façon de se venger, d'attirer l'attention de ses parents. C'était juste ça. Ouais, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, à ce moment-là, quand on a un adolescent, est-ce que les deux parents ne doivent pas, on va dire, jouer deux rôles différents? Peut-être qu'un pourrait être un peu celui qui soit sévère et l'autre essayer de donner un peu plus de souplesse, de façon à ce que ce ne soit pas les deux qui se mettent, on va dire, contre l'adolescent, que les deux soient trop fermes avec lui. Alors, moi, je pense qu'il est nécessaire totalement en harmonie. C'est-à-dire que le couple doit vraiment être en harmonie face à cet adolescent. Ce n'est pas leur ennemi. Ce n'est pas un ennemi. C'est leur enfant, c'est leur chair. Ils doivent être complémentaires. Tout à fait. Et donc, essayer de trouver la faille, essayer de discuter autour de cela, voir, aller en profondeur et aller voir là où ça a commencé. Il y a toujours un facteur déclencheur, il y a toujours un début. Et donc, essayer de visualiser un petit peu et d'aller aussi loin que possible là où j'ai gaffé. Quand ça a commencé? Ça a commencé forcément à un moment donné. C'est vrai que la crise survient au moment de la puberté, parce que l'enfant, comme on l'a signalé tout à l'heure, a ce changement corporel qui lui fait croire qu'il a grandi et que tout lui est permis. Mais c'est encore un enfant. Il a besoin de ses parents, des indications de ses parents, de l'amour de ses parents, surtout qu'il soit compris et considéré par ses parents. Quand on a un adolescent qui est introverti, qui n'exprime pas forcément tout ce qu'il ressent, qui n'est pas là à communiquer avec ses parents, comment on fait avec cet enfant? C'est vrai que c'est plus difficile, c'est plus délicat de comprendre le pourquoi du comment, à quoi il pense. Toujours est-il, à quel moment il a commencé à être introverti? À quel moment il a commencé à se refermer sur lui-même? Est-ce que c'était depuis l'enfance? Est-ce que c'est survenu à un événement qui a survenu durant sa vie, dans la famille? Il y a beaucoup de choses auxquelles on peut, sur lesquelles on peut se pencher. Ou bien peut-être c'est juste une personne qui ressemble à son papa ou à sa maman, qui ne soit pas vraiment, ça serait un trait de caractère, tout à fait. Et donc, ne soyons pas fatalistes et se dire tout ce que peut faire un adolescent est un signe d'un trouble ou d'un problème. D'accord. Et si vous voulez, si vous pouvez donner des conseils, là maintenant, à des parents d'adolescents en pleine crise, vous leur diriez quoi? Déjà, s'ils n'arrivent pas à rétablir le dialogue entre eux, essayez de vous faire aider. Il n'y a pas de mal à aller voir des spécialistes.
même si vous n'avez pas cette capacité ou cette facilité d'aller. Bon, maintenant, il y a des psychologues dans les centres médicaux. C'est-à-dire, on n'est pas obligé d'aller dans des cabinets où c'est cher. C'est-à-dire, la consultation est un peu chère et inaccessible pour certains parents. Vous pouvez aller dans les centres médicaux, consulter des psychologues et essayer de comprendre ce conflit, de comprendre cette situation, de dénouer les choses à dénouer entre, c'est-à-dire dans la famille. Parfois, c'est toute la fratrie qui en prend un coup et c'est toute la famille qui endure cette situation. Et les choses peuvent se résoudre et peuvent éventuellement, parfois, ça démarre de rien. Oui. Parfois, ça démarre de rien. Et comprendre surtout que ce processus n'est pas subit et ne vient pas du néant. Il y a toujours en arrière-plan des attitudes, un comportement, des règles que les parents ont établi, exigé. Oui. On leur demande peut-être beaucoup de choses à ces enfants et on oublie que derrière, il y a un être. Il y a une personnalité qui se forge, qui se forme. C'est peut-être parce que les parents ont peur pour l'avenir de leur enfant, donc ils essayent d'être un peu exigeants en ne voulant pas reproduire les mêmes erreurs qu'ils ont peut-être produites eux-mêmes. Oui, mais surprotéger nos enfants aussi ne leur rend pas service. Ouais. Une trop bonne mère fait autant de dégâts qu'une mauvaise mère, vous savez. Et donc, essayez d'être le plus proche possible de vos enfants. Étant petit, d'être très patient avec eux, de les accompagner, parce que c'est un accompagnement. N'oublions pas que ces enfants, ce sont nos invités, qu'un jour ils vont quitter le cocon familial. Et donc, quand on est, quand on accueille un invité, on essaie toujours d'être bienveillant, d'être toujours au service de cet invité. Alors, pourquoi ne pas l'être avec nos propres enfants? Communiquer un maximum avec ses enfants, dire aussi ses émotions à soi, le papa, il doit aussi exprimer ses émotions. Ça apprendra peut-être à l'enfant aussi d'exprimer ses émotions. Lui montrer comment faire. C'est ça, parce qu'en fait, ils sont très absorbants, c'est comme une éponge. Et donc, cet enfant-là va voir comment faire, comment les parents font, et forcément, ils vont faire la même chose. Essayer de verbaliser le maximum, et tant qu'on peut, le plus qu'on peut, avec des mots simples, ça ne diminue en rien notre statut de parent. Au contraire. On va leur apprendre à être meilleurs peut-être que nous, puisqu'il y a cette crainte de vouloir justement protéger nos enfants. Très bien. Une autre question, Mariam? Non, ça va. J'ai ce qu'il faut avancer un petit peu. Pour avancer, sereinement. Il faut avancer sereinement. C'est ça, il faut surtout rester calme. Se mettre à la hauteur de nos enfants. Exactement, ne pas les prendre toujours avec nos réflexions d'adultes, nos réflexions qui sont sages maintenant avec l'âge. Et être, comme vous avez dit, indulgent, c'est ce que. Et puis, même nous adultes, on fait des erreurs et on fait des bêtises. Exactement. Et donc, pourquoi pas eux? Exactement. Merci en tout cas. Alors, je rappelle, Samia Lamara, vous êtes psychologue. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir, Monia. Marie Moussaïd, alors, plus à présenter, animatrice avec nous au Bonjour d'Algérie. Merci encore d'avoir accepté Monia, témoigner. Merci. En tout cas, c'était passionnant et j'ai beaucoup appris. Merci. Merci à vous. Merci. Et on passe maintenant à la rubrique Conseils pratiques. Alors, pour la rubrique aujourd'hui Conseils pratiques, je reçois Dr Samia Afef-Zrich, pédiatre. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, on va parler de l'importance de la sieste chez les enfants. Très importante sieste. Ils n'aiment pas toujours la faire. Ce n'est pas toujours évident de leur dire c'est l'heure de la sieste, ils n'ont pas toujours envie. Mais c'est important pour leur bon développement, n'est-ce pas? Exactement. La sieste est très importante. C'est un moment de sommeil au cours de la journée, un moment normal. Il survient en général après le déjeuner.
et puis en début d'après-midi. Il vient renforcer le sommeil nocturne quand l'enfant n'est pas irrité, quand il fait sa sieste, il n'est pas anxieux, donc il pourra dormir la nuit un peu plus paisiblement. D'accord, voilà. Donc une bonne sieste fait un meilleur dodo le soir. Exactement. Très bien. Seulement il faut ces conditions. D'accord. Quelles sont les conditions? Alors, on va directement vers les conditions. D'accord. Quand on fait une sieste, elle ne doit pas être trop courte ni trop longue. Trop courte, qui veut dire? Trop courte, ça veut dire 10 minutes, 15 minutes. D'accord. C'est pas réparateur pour l'enfant. Mmh. D'accord. Et puis, trop longue, plus de 2 heures. D'accord. Une heure et demie à 2 heures, c'est suffisant pour faire une bonne sieste, pour récupérer, pour se reposer, pour reposer le cerveau et le corps, et également pour pouvoir acquérir et assimiler tout ce qu'on a appris au cours de la matinée. Très bien. Les siestes, ça commence déjà dès la naissance, parce qu'un bébé déjà dort beaucoup plus la journée que le soir. Exactement ça. C'est un classique, on le sait. Oui, exactement ça. Alors, quand on est tout petit, quand on vient de naître, qu'est-ce qui se passe? Le corps ne fait que croître. Il double, il triple. Au bout d'une année, il doit tripler. Donc, on a besoin de beaucoup de sommeil. Et on a plus de sommeil que de réveil. Il dort 3 heures, 4 heures de temps, il se réveille 1 heure et demie, juste le temps de téter, d'être changé, puis il reprend jusqu'à 3, 4 mois. C'est comme ça, le rythme, il est bien. Si on a de la chance, bien sûr, que notre enfant dorme bien. Et puis après, il commence à s'éveiller. Il a plus besoin de voir son entourage, d'apprendre, d'être avec nous. Et là, la durée de l'endormissement et du sommeil diminue beaucoup. On a à peu près dans les 3 siestes par jour, la matinée, après le déjeuner, et un peu juste vers 16 heures, il fait une petite sieste, et le soir, il va bien dormir. À partir de 6 mois jusqu'à 9 mois, il n'en fera que 2, jusqu'à même 18 mois, il va ne faire que 2. Il faut garder la sieste du matin et celle d'après le déjeuner. D'accord. Et puis à partir de 18 mois, c'est la fameuse sieste qu'on aime bien, qui est réparatrice, qui donne beaucoup de bonheur aux parents parce qu'ils se reposent au cours de cette période, ils soufflent un peu, exactement, et qui répare tout dans l'organisme, qui permet d'avoir une mémorisation, comme on a dit, de tout l'apprentissage, de se reposer, même d'avoir, de grossir, de grandir, et c'est très bien. Et jusqu'à 3 à 4 ans, où on commence la période de scolarisation, pour celui qui peut peut-être garder la sieste au cours des week-ends, mais sinon c'est l'apprentissage de tous les jours, la sieste va disparaître au fur et à mesure. Mais on peut toujours continuer à faire la sieste? Oui, on peut, c'est très réparateur bien sûr. Même pour les plus âgés? Même pour les plus âgés, oui, elle est indiquée quand on a le temps. Mais elle est de vraiment courte durée, on peut la faire en une demi-heure, trois quarts d'heure. D'accord, donc plus on est âgé, plus la sieste diminue. Exactement. Sinon... Le soir, ça se passe mal. Sinon, le sommeil du soir risque d'être perturbé. Perturbé un peu, exactement. D'accord, très exactement. Bien. Justement, c'est pourquoi on insiste beaucoup, beaucoup. Elle ne doit pas dépasser 3h30 de l'après-midi pour ne pas empiéter sur le sommeil du soir. D'accord. Donc, à 3h30, on doit réveiller l'enfant? Alors, réveiller, pas forcément. Alors, il y a des conditions, justement. Il doit être dans une chambre calme. Pas très sombre parce qu'il doit faire la différence, apprendre le jour et la nuit. Donc il faut laisser une pénombre, il faut laisser un peu de lumière. Il est plus rassuré le matin, donc la sieste est meilleure, il dort mieux. Pourquoi? Parce qu'il y a des bruits, il y a des personnes qui marchent et tout, donc il est dans le calme, mais il y a un bruit de fond qui le rassure. Il dort jusqu'à, comme on a dit, 3h30 à peu près. Et quand il fait ses 2h, 1h30 de temps, on n'a qu'à ouvrir juste les volets. Il va se réveiller. Pourquoi? Parce que la sieste est faite d'un sommeil lent et profond. Ça veut dire sans rêve, sans cauchemar. Elle est très réparatrice, donc il dort. Et dès qu'il entend un bruit, il va se réveiller tout naturellement en douceur. Et s'il ne se réveille pas? Si c'est un grand dormeur et qu'il a du mal, il faut le réveiller quand même. Il y a de gros dormeurs, vous l'avez bien dit. Il y a des petits dormeurs aussi qui ne font pas du tout de sieste. Il faut rester doucement, 2h, 2h30, puis il va se réveiller parce qu'il aura faim. Il sera obligé, il va se réveiller. D'accord. Donc, et quand à partir de l'âge, on va dire, de 3 à 4 ans, de 2 ans, de 3 et 4 ans, à ce moment-là, il ne mange même plus comme avant. Il n'a plus de biberon, il n'a plus besoin de manger toutes les 2-3 heures et tout ça. Donc à ce moment-là, on peut, la faim ne le réveille pas, on va dire ça comme ça, donc on peut le réveiller. On pourra le réveiller, on pourra le réveiller, mais avec des petits câlins, tout doucement. Oui. Il va se réveiller, parce qu'il a besoin du contact humain, il a besoin d'apprendre encore. Il a dormi, il a bien dormi, donc il va encore, lui, il remplit ses batteries. Une fois les batteries remplies, il va se réveiller.
Justement, ces batteries ne risquent pas d'être trop chargées et du coup, le soir, il ne va pas dormir? Ça dépend des enfants. Alors, on respecte chaque enfant. Quand l'enfant, on lui fait une sieste de 2 heures de temps, et puis le soir, au contraire, la sieste régule le sommeil, il commence à s'endormir. L'endormissement, ça l'aide beaucoup. Il n'est pas anxieux, il n'est pas fatigué. Quand il fait une sieste, il se repose. Oui. Pour dormir, il faut être reposé. Il ne faut pas être anxieux. Il ne faut pas avoir quelque chose dans la tête qui tourne et qui nous fait... Oui, on dit en général, au moment de dormir, il faut un peu calmer les choses, un peu tamiser la lumière et commencer à parler doucement pour se mettre dans l'ambiance. Exactement, oui. C'est ça. Et ne pas aller le prendre et le réveiller s'il est agité et tout. Il faut le laisser dans son lit, lui parler, lui raconter une histoire et attendre qu'il dorme tout simplement. D'accord. Mmh. Et si on voit que, par exemple, notre enfant, 10 heures du soir, il ne dort toujours pas, est-ce qu'on doit supprimer la sieste de l'après-midi? 10 heures du soir, il ne dort pas. D'abord, il faut voir ce qu'il a. S'il n'a pas un problème, s'il n'a pas de reflux, s'il n'a pas un autre problème organique. Ça veut dire qu'il empêche de dormir le plus normalement possible. Le problème de la sieste, ben oui, on va tenter, on va arrêter la sieste et on va voir s'il dort bien. Mais des fois, ce n'est pas la sieste du tout qui pose problème, mais plutôt parce qu'on laisse la télé allumée, parce qu'on fait beaucoup de bruit la nuit, parce qu'il a peur du noir, qu'il n'est pas réconforté. Et puis, dès qu'il fait un petit geste, qu'il n'est pas bien, parce que le sommeil de la nuit n'est pas pareil comme celui de l'adulte. Nous, on va dormir, on est déjà dans le sommeil, un peu calme et tout. Le bébé, non. Quand il va dormir, il est dans le sommeil agité. Sa première période d'endormissement et après il a un sommeil agité. Nous on a tendance de le voir, quand on le voit comme ça agité, on va le prendre. Mais non, il faut juste le calmer et après il va rentrer dans le sommeil profond. D'accord, très bien. Et comment justement, au moment de la sieste, si l'enfant refuse catégoriquement de faire la sieste, comment s'y prendre? C'est un enfant qui a du caractère d'abord. Oui. Voilà. Alors ce qu'il faut faire, c'est... Quand on est à la maison, bon, je vais parler de la crèche et après, c'est pareil à la maison, c'est pratiquement pareil. Quand on est en crèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre quand même avec les enfants. Il va être allongé et rester 45 minutes comme ça allongé, en attendant que tous les autres enfants dorment. Ça veut dire qu'on est libre et qu'on peut s'occuper de lui. Alors, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de jouets aux alentours, même pour les autres enfants. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de stimuli, pas trop de bruit. Et puis, lui, on va le prendre tout seul. Il s'est calmé 45 minutes. S'il dort, c'est tant mieux. S'il ne dort pas, on va le prendre tout seul et on va jouer avec lui. On va le stimuler de façon très calme. On ne va pas jouer avec des jeux où on va courir et tout. Au contraire, il va peut-être dessiner, peut-être compter. Et ça, ça va l'aider. Et ce n'est pas la peine. S'il fait de bonnes nuits, s'il fait ses 12 heures de sommeil ou ses 10 heures de sommeil, on est content. Ça veut dire que c'est son rythme. Et à la maison? Et à la maison, dans une chambre où il y a beaucoup de couleurs et tout ça, Beaucoup de couleurs dans les murs, on n'a pas de soucis, mais beaucoup de jouets, quelque chose qu'il peut prendre et tout, parce que lui, il a l'habitude de son ambiance. D'accord. Au contraire, la sieste n'a pas besoin de rituel, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de prendre l'enfant, de lui raconter une histoire ou de faire sa douche, de lui raconter une histoire et puis de rester avec lui. Ça, c'est pour le soir. Oui, ça, c'est pour le soir, exactement. La sieste, on le met, il dort, c'est bon, il ne dort pas, on est calme. L'essentiel, c'est d'être dans le calme, c'est tout. Même si on est avec lui, c'est pas dans le... il court, il mange. Il prend, non, il est calme, il fait quelque chose de très calme. D'accord, donc au lieu de faire, il faut qu'il se repose quand même. Même s'il ne dort pas, même si l'enfant ne dort pas. Exactement. On peut toujours le laisser dans sa chambre, un peu diminuer un peu de la lumière. Rester avec lui, l'enfant, quand il ne veut pas dormir, parce qu'il a besoin de nous, c'est tout, il a besoin d'affection. C'est tout ce qui lui manque. Hein. Il n'a rien. Quand on l'a changé, on l'a nourri, qu'il n'est pas malade, il a juste besoin d'une présence. D'accord. Mais il ne faut pas être très actif. Il faut être doux, c'est tout. Et quand c'est un signe, quand l'enfant se réveille très grincheux, ça arrive. Quand il se réveille de la sieste, ça ne veut pas dire que la sieste a été trop longue. Peut-être qu'il a dépassé la durée nécessaire pour dormir, exactement. Et peut-être, peut-être c'est ça, peut-être qu'il a été déjà, avant d'aller dormir, il a été un peu, on l'a forcé à aller faire la sieste, il a été contrarié. Donc quand il se réveille quand même contrarié. Justement, pour faire la sieste, il ne faut pas menacer les enfants, il ne faut pas les punir en leur disant « va dormir ». Après, ce sera un moment difficile pour lui. D'accord. Ça va être une punition au lieu d'être un soulagement et un repos. D'accord, donc dès le début, faudra jamais dire tu n'as pas fait ceci ou cela, tu vas dormir, tu vas directement faire ta sieste. Ou prendre quelque chose et le brutaliser, lui dire tu dors, il faut dormir, sinon tu ne vas pas grandir. Non, au contraire, il faut le langage positif, lui dire tu sais, si tu vas dormir maintenant, tu seras grand comme papa.
Et ça, il va le faire. Il va être stimulé pour faire les choses. D'accord. Sauf s'il vous répond, non, j'ai pas envie. Il n'a pas envie. Et ben, c'est un enfant qui n'a pas besoin de sieste. Voilà. S'il fait ses nuits, ben oui, il faut être présent. D'autres conseils? Pas spécialement. La sieste est très, très intéressante. Elle est reposante. Ben, il faut essayer de la faire, mais pas forcer l'enfant à tout non plus à le faire. Donc, on rappelle les bienfaits de la sieste? Bien sûr. Alors, quand on fait une sieste, en général, c'est le sommeil. Il y a le repos du corps et du cerveau. Il y a il assimile et mémorise tout ce qui est l'apprentissage de la matinée. Et tout ce qu'il a mangé également, il va le stocker, il va grandir. Ça stimule même le système immunitaire quand l'enfant est malade et qu'il dort. Le système immunitaire est activé lors du sommeil. Il aide à la croissance et à l'épanouissement de l'enfant. Très bien. Merci. D'autres conseils pour les parents? D'autres informations qu'on aurait oubliées? Non, on a parlé de tout de normalement. Tout. La sieste est importante, il faut la faire quand on peut. D'accord, très bien. Oui. Merci encore. Merci docteur Samia Afef-Sarich, vous êtes pédiatre, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci. Et tout de suite, nous passons à la rubrique l'info de la semaine. Place à l'info de la semaine avec Leïla Djebbour. Leïla, bonsoir. Bonsoir Mounia, bonsoir chers téléspectateurs. Ça va? Très bien, et vous? Très bien, très bien. Alors, on a parlé de crise d'adolescence, on a parlé de sommeil de l'enfance, et maintenant on passe... On passe au sommeil des adolescents, qui est une préoccupation très importante. Il faut savoir qu'il y a un groupe d'étudiants, donc ce sont 8 étudiants, qui se sont réunis à l'Université de Montréal. Ils sont en doctorat de pharmacie et ils ont décidé d'apporter des solutions à travers un projet d'études pour essayer de répondre à cette problématique sociale qui est devenue complexe. Voilà, le sommeil des adolescents. Et ils essayent donc d'améliorer la communauté à travers cette recherche qu'ils ont menée. Alors comment ils s'y sont pris? Ils ont fait donc des vidéos, 7 vidéos plus précisément, avec, qui sont devenues des capsules, avec des textes qui les accompagnent pour expliquer un peu quelle est cette problématique et d'où viennent un peu les déterminants qui pourraient impacter sur le sommeil des adolescents. Alors il faut savoir que les déterminants, il y en a beaucoup. Il y a déjà les messages nocturnes, et oui, toutes les applications qu'ils ont sur leur téléphone. Donc il faut savoir qu'ils sont 47% quand même à se réveiller durant la nuit pour répondre à un texto, à un message en tout genre. Voilà. Oui. Et il faut savoir que ça impacte cette hypervigilance par rapport à leur téléphone. Alors, va impacter également leur système, leur psyché. Quoi. Ils, oui. ils vont avoir, c'est-à-dire comme une alarme. Il faut se réveiller durant la nuit pour essayer de checker son téléphone. Donc c'est la premier déterminant. Le deuxième, ce sont les horaires de sommeil. Il faut savoir qu'après la puberté, ça je pense que les spécialistes vous en ont parlé déjà, il y a la puberté, il y a également beaucoup d'autres facteurs qui jouent sur le rallongement de l'horaire de sommeil. Adolescents. Voilà, donc ils ne dorment plus la nuit et font de grasses matinées. Et ils font des grasses matinées. Et il faut savoir également qu'il y a les loisirs également. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont pour se détendre la nuit, les musiciens, les artistes, les futurs musiciens artistes quand ils sont adolescents. Oui. Au lieu d'aller dormir directement, ils préfèrent faire de la guitare, par exemple. C'est là où ils ont le plus d'inspiration, je pense. Ils ont l'inspiration qui leur vient. Oui. Mais ça, les parents ne le comprennent pas facilement. C'est vrai. Et voilà. Donc, il faut savoir qu'il y a d'autres facteurs comme les bruits environnants, mais ça, c'est pas trop de leur faute. Ouais. Si on habite à côté, par exemple, d'une gare routière ou si on habite à côté d'un chantier de travaux publics, il faut savoir que ces bruits vont aussi avoir un impact sur l'ouïe. Voilà, donc le cerveau directement. Voilà, ce sont des sonorités qui vont les déranger les perturber durant le sommeil. Il y a les stimulants. Il faut savoir qu'ils sont 75% de nos adolescents à consommer du café. Oui. Donc, il faut savoir qu'ils veulent faire comme les parents, parfois. Maintenant, je suis adulte, je prends du café. Ça fait bien de consommer du café adolescent. Donc, il faut savoir que ça a aussi des conséquences. Oui. Sur le sommeil.
Pas que le café, hein, 75%, mais il y a aussi le tabac. Donc ils s'y mettent très tôt. C'est l'âge où on commence à vouloir faire beaucoup de choses, prendre du café comme les grands, fumer parce qu'on voit que les plus âgés fument. Tout à fait. Mais toutes ces substances, même si le café n'est pas une substance, quoique, elles impacteraient beaucoup plus vite sur la qualité du sommeil. Il y a également, ça on oublie de le dire, l'influence des parents. Parce que les parents, quand ils inculquent à leurs enfants en étant petits à dormir tôt, ben, ces habitudes-là, généralement, on grandit avec. Oui. Donc il y a toujours un certain... il y a un encadrement qui est fait déjà. Mais après, ils les laissent faire ce qu'ils veulent à l'adolescence. Exactement. Ça aussi, ça joue beaucoup. Exactement. Et le dernier facteur, c'est le stress. Le stress, Mounia, parce que ces adolescents, eh ben, ils ont des concours à passer, ils ont des examens aussi. Ils ont le bac. Ils ont le brevet. Donc, ils sont assez préoccupés par leurs études. Et ça impacte aussi sur leurs habitudes. Et il faut dire aussi qu'ils sont 58% à avoir des difficultés à se réveiller le matin. Donc c'est quand même un chiffre assez énorme, 58%. Ils sont 19% à avoir des problèmes de concentration durant la journée. Et ils n'arrivent pas à se concentrer. Quand on ne dort pas le soir, c'est un petit peu normal. Et ils sont 23% à être irritables durant la journée. Oui. Donc ça, c'est... Bon, je pense que le pourcentage irritable pendant la journée, je pense qu'il est beaucoup plus élevé que ça. En général, ils sont très irritables. Bon, c'est vrai que il faut quand même se ménager. Oui, oui. En fait, c'est toute une organisation, le sommeil. Et à travers cette étude, en fait, encore une fois, on le répète, mais il y a le sport aussi qui sort, où ils canalisent toute leur énergie. Oui. Et ça les fait dormir directement. D'accord. Bon. Donc si votre ado ne dort pas le soir, faites-lui faire du sport. C'est une des solutions, en tout cas. Voilà, Mounia, pour cette info de la semaine. Merci, Leïla. On se donne rendez-vous ? On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bien, avec une nouvelle information. Tout à fait. Très bien. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Même heure, même chaîne. Prenez soin de vous. Au revoir.